on vous propose pour ce nouveau tuto une forme de fanzine rapide et simple à réaliser. Pas besoin d'agrafe ou de reliure, il vous suffit d'une feuille et d'une paire de ciseaux pour pouvoir fabriquer ce livret, cahier ou fanzine. Sachez que ces premières pliures servent de repère de fabrication. Vous n'avez pas besoin de trop les appuyer car vous devrez les réajuster à la toute fin lorsque le livret prendra forme. Attention à cette étape, il faut couper au ciseau côté pliure, dans le but d'obtenir une fente centrale dans votre feuille. Sinon vous obtiendrez juste une feuille avec deux entailles sur les côtés et vous ne pourrez pas faire la suite. C'est l'étape la plus difficile. Pincez les pliures à droite et à gauche de la fente centrale, puis rabattez les deux côtés de la feuille de manière à former une sorte de croix. Chaque côté de la croix sera un recto verso du livret, et il ne vous reste plus qu'à les rabattre ensemble. Maintenant que le livret prend forme, vous devez bien marquer vos pliures afin qu'ils soient facilement manipulables. Cette technique permet d'avoir un petit livre constitué de 4 pages A7 recto verso, donc 8 rectos pour écrire, dessiner ou autre. En le dépliant, une pleine page A4 se dévoile. Vous pouvez vous en servir comme une affiche ou un poster. Dernier petit truc, faites en sorte que votre première page soit facilement identifiable pour qu'on parvienne à replier votre fanzine dans le bon sens, sans se poser de questions.